Aujourd'hui, vous savez, les États-Unis, c'est le jour des élections ici aux États-Unis. Voilà, dans quelques instants, il y a des endroits qui vont fermer. Voilà, donc, raison pour laquelle j'étais rare sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que, étant citoyen de New Jersey, il fallait aller m'acquitter de mon devoir aussi. On a la double nationalité. Donc, famille, on va parler de cette transition qui fait rire. Vous savez, les démagogues ont parlé. Ousmane Kaya est sorti. Ousmane Kaya, voici les chiffres de Ousmane Kaya. Ousmane Kaya qui dit que 668 km de route construit à Conakry. Je dis tellement que c'est des menteurs et tous. Tellement que Ousmane Kaya aussi, Conakry, nous savons tous, de 36 à Kaloum, ça fait combien de kilomètres? Ousmane Kaya dit que non, depuis l'arrivée du CNRD, ils ont fait 168 kilomètres de route à Conakry, 119 kilomètres à l'intérieur du pays. Pourtant, on a entendu des artistes, on a entendu des communicants du CNRD, que le CNRD a réalisé plus de 2000 kilomètres de route. Ça, c'est votre porte-parole. Nous-mêmes, on va accepter les mensonges de Ousmane Kaya. Il y a des gens qui disent 2000 kilomètres de route. Il y a d'autres qui nous ont dit ici 2000 kilomètres de route. Ousmane Kaya a dit que 168 kilomètres à Conakry. Biri Conakry Kolo. De Sangoya à Lambagny, nous savons déjà la distance. Ça fait combien de kilomètres? La route de Prince, rien n'a été fait de ce côté. Donc, franchement, dit transition, Abara fait de vouler transition. Les démagogues sont là en train de dire aux Guinéens, le CNRD a fait 2000 km de route. Mais l'état de nos routes, il faut essayer de doser le mensonge. Wuleta, era etayat bara a doser d'Ondroti. Où il fallait qu'au 4000 km et 2000 km de route, qu'au dépisser un aide de phare. Vous pensez que 1 km de route fait combien de milliards, en francs guinéens? Voilà, 1 km de route, c'est plus de 8 milliards plutôt. Plus de 8 milliards, mettez le cœur. Et n'aura mal life saboté. Donc, Wuleta Musigama Dede. Moubara Falaoube, Wule Musigama Dede. Et la famille, vous savez, ce qui fait pitié dans tout ça. Nous avons un régime dans un régime. Mamadou Doumbouya, lui, il a son gouvernement. Bala Samoura, lui aussi, il a son gouvernement. Idi Amin a son gouvernement. Amara aussi, lui aussi, il a ses business. Monsieur Nimanga, je vais vous faire écouter quelques extraits de ses proches. Vous-même, vous avez suivi. Madame et les enfants sont là. La famille jusqu'à Kissidougou. C'est un traumatisme. Depuis l'enlèvement de notre frère, la famille ne sait pas où se donner la tête. Des prières et des prières pour que notre frère nous revienne. Mais en tout cas, c'est un bouleversement total dans la famille. On ne sait pas que faire. Donc, nous sommes en train d'explorer toutes les possibilités pour que notre frère recouvre, n'est-ce pas, sa liberté. Depuis qu'il a été kidnappé, le 17, depuis le 17, jusqu'à présent, on ne sait pas où il est.
Même un grain d'information, on n'a pas. Incroyable, mais vrai. Du jamais vu dans notre culture, en tout cas nous. Du jamais vu, franchement. Nimaga est un intellectuel chevronné que tout le monde connaît, reconnaît de lui. Tout le monde connaît ça en lui. L'État s'est investi pour sa formation, ses parents se sont investis. Lui-même, quand il a eu les moyens, s'est investi pour ses formations, pour venir servir sa nation. Voilà comment on le récompense. Voilà comment on le récompense. Il a 4 enfants, dont 2 jumeaux. Les 2 garçons ne parlent que de lui. Ils envoient le message nuit et jour à nous tous, les frères de Sadou, de tout faire pour envoyer leur frère papa à la maison. Ces enfants-là, toute la journée, ils ne font que nous envoyer des messages pour que leur papa retourne à la maison. L'affection-là, que les gens doivent penser, l'affection du papa par rapport aux enfants, et ils ont perdu ça pour rien. Depuis le 17, ils ne savent pas où se trouve leur papa. Ils accueillent leur maman à la maison et la maman ne fait que pleurer, qui est ma soeur, elle ne fait que pleurer depuis ce jour-là. Et vraiment, on interpelle tout le monde et à tous les niveaux, que ce soit, que ce jeune-là retourne à la maison parce qu'il n'était que sur le chemin de servir sa nation dans le bon sens. Il a été faire des brillantes études pour venir se mettre au service de sa nation. Voilà par où on passe pour le récompenser. Il y a une délégation des forces Forum de Porto-Sal qui est venue pour la ville. Quelle association pour la ville? Vous savez, une fois en Guinée qu'on dit force vive, c'est un soulagement. Société civile, syndicats et organisations des ONG, c'est un soulagement. Ça veut dire quelque part que depuis notre frère a été enlevé, tout le monde s'est accordé sur le fait que c'est une valeur humaine qui a été enlevée. C'est ça la mobilisation des forces vives et ça nous soulage à plus d'un titre. On est soulagé, on est réconforté et on ne se sent plus isolé. On ne se sent plus isolé et on prie pour que leurs forces, les forces vives et d'autres puissent faire en sorte que notre frère nous revienne sain et sauf. Depuis qu'il a été kidnappé. Vous-même, vous venez d'écouter ce témoignage. Vraiment, c'est triste pour notre pays. Ceux qui sont venus le 5 septembre nous dire qu'ils sont venus sauver, qu'il n'y avait pas de justice dans ce pays, qu'ils sont venus libérer les Guinéens. Ah ouais, c'est ça la transition CNRD. C'est ça la transition CNRD. Kidnapper des civils. Au moins si c'était des militaires, on va dire, ça c'est des règlements de comptes entre eux. Mais je dis bien, kidnapper des civils. On nous a annoncé la mort de Sadiba. Célestin Bilivogui. Qui sait quel est le sort des phoniqués des Bilo? C'est cruel. C'est vraiment cruel. Arrêtez maintenant. Arrêtez. Et j'aurais, après que le monsieur, ils l'ont envoyé à Kassa. Kassa, c'est un voyage non-retour. Une fois qu'on envoie des gens. Je vous ai déjà décrit. Le jeune qui est là-bas, le jeune qui torture les gens là-bas, qui n'a pas d'état d'âme, d'ailleurs qui n'a pas de père, il n'a pas de mère. C'est quelqu'un qui est entretenu. Une fois qu'on lui donne l'ordre, torture-lui à mort, c'est fini. C'est dommage pour notre pays. Hein. C'est dommage. Est-ce que les supporters du CNRD... je vais aussi... dire à quelqu'un, un communicat démagogue qui est à Conakry, je ne vais pas dire ton nom, mais si tu te retrouves dedans, sache que tu marches avec les escadrons de la mort.
ceux qui enlèvent les gens. Dis-toi que le jour qu'il y aura un changement, que tu vas rendre compte, vous qui indexez les gens, vous qui appelez les gens, vous qui prenez les numéros des gens, vous les donnez rendez-vous, vous appelez les escadrons de la mort, parce que ce pays aujourd'hui, il n'y a pas de loi. C'est la loi du plus fort. Nous sommes dans la jungle. Le CNRD, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Donc, je te préviens, mon frère, demain, tu vas rendre compte. Hein. Si, à travers tes faux rendez-vous que vous donnez aux gens pour que les éléments des forces spéciales viennent kidnapper les gens, et si quelqu'un meurt, vous allez répondre demain devant la justice guinéenne. Vous n'êtes que jeune. Moi, je suis plus âgé que toi, mon gars. Mais je te dis d'aller doucement. Il faut aller doucement, mon frère. Tout ce que tu fais, les gens ne parlent pas parce que tout simplement, nous sommes avec un régime de bandits, de gangsters, de brigands. Parce que les éléments des forces spéciales, je ne dis pas tout. Le premier groupement des forces spéciales, je dirais que la majorité, c'était des bonnes personnes. Mais aujourd'hui, on les a presque mis de côté. Et les derniers recrutements, je dirais que 90% des forces spéciales, la majorité, c'est des drogués, c'est des délinquants. Ça, je le dis haut et fort. Il n'y a que 10% ceux qu'ils ont pris dans les autres forces là, qui sont intelligents, qui réfléchissent. Sinon, le reste des éléments, c'est des narcos. C'est-à-dire, c'est des gens, tout ce qui est louche. Le palais Sekouturia aujourd'hui est transformé en hôtel aujourd'hui par ces jeunes. Les braquages à Conakry, quand on dit les hommes en tenue, ce n'est rien d'autre. Ce sont ces jeunes, les gens des forces spéciales. Malgré que la gendarmerie, ils font des enquêtes, ils remontent à la source, ils trouvent que c'est les forces spéciales, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. D'ailleurs, je vous ai même raconté l'histoire du monsieur qu'on a détourné les marchandises et que Baba Bari s'était rendu au camp Makambo pour essayer de résoudre le problème là. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé sur le monsieur. C'est des éléments des forces spéciales qui ont pris la... D'abord, ils ont pris l'argent. Ils ont pris la marchandise. Et l'affaire-là est rentrée dans les oreilles de Doumbouya. Donc, si vous voyez que nous disons ces jeunes-là, c'est des badauds qu'on a ramassés dans les rues, les formés pour quelques mois seulement, et boum, on les fait porter les tenues des forces spéciales. Il y a eu des recrutements. Est-ce que vous avez entendu ici le recrutement des forces spéciales? Et on a vu la dernière fois quand ils ont ramassé les jeunes de Kaloum, là, les drogués dans les bars à Kaloum. Il y a eu combien de morts du côté de Frocaria? Plusieurs morts. On a même parlé de plus de 50. Parce que les jeunes n'avaient pas de souffle. On les a mis la pression, d'autres sont morts. Ils sont allés aussi, pareil, recruter, ramasser des gens à Cancan pour les envoyer dans les forces spéciales. Aujourd'hui, c'est une unité de plus de 4000 personnes. Plus de 4000 personnes. Mais vous avez vu quel recrutement au plan national pour dire, voilà, les forces... Non, ça a été sélectif. Et ils sont endoctrinés. Chaque semaine, on les donne quelque chose. Chaque mois, ils ont des primes, ils ont des salaires. On les donne aussi des darés. Voici des escadrons de la mort qu'on est en train de préparer. Oui, pour garder ce pouvoir. Mais je vous dis, allez-y doucement. Nous, on vous a conseillé, on est fatigué. La deuxième option, c'est ce qu'on va utiliser. À partir du 31 décembre, comme je le dis à tout le monde ici, vous savez, beaucoup disent, oh non, le Fama, Alpha Condé, il parle pas, non. Alpha Condé, je vous ai dit, c'est un homme de Dieu, lui n'est pas pressé. Vous voyez qu'il parle à ses bases, à ses militants. Si Alpha Condé voulait parler depuis longtemps, il aurait parlé. Mais Alpha Condé, le président Alpha Condé ne va pas tomber dans leur piège. À partir du 31, Mamadi n'a plus de légitimité.
la légitimité que les partis politiques en Guinée et la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest lui ont donnée, c'est-à-dire la transition, la fin, comme l'a dit mon frère Diallo Kravat-Gino, prendra fin le 31 décembre, à partir de là. Qui va dire au président Alpha Condé, non, l'accord signé, voilà, vous ne devez... Non, je vous ai dit, calmez-vous. Donc, je vous dis de rester serein. À partir du 31 décembre, le CNRD, ils n'auront plus de légitimité. Même des militaires aujourd'hui hésitants, personne ne va réfléchir. Ça, je vous le garantis. Mais je vous ai dit, les bonnes choses arrivent. Ce qui est important, là, ça arrive. Nanara la Guinée, Birin, tout le monde doit prier. Et tous ceux qui hésitent, non, le Fama qui n'a pas, pardonnez-vous aussi, arrêtez de me fatiguer avec affaire de Real Madrid. Real a perdu, est-ce que moi je ne vais pas manger aujourd'hui? Bon, c'est les Catalans qui sont en train de me fatiguer ici. Ça, c'est votre affaire, ça. Parce que je sais, c'est les supporters de Doumbouya. Donc, restons sereins. Les bonnes choses arrivent. Si Mamadi comprend, tant mieux pour lui. Si Mamadi ne comprend pas, tant pis pour lui. En tout cas, le peuple, nous n'allons pas nous coucher un petit groupe, un petit clan. Déjà, 3 ans de transition, ça doit... Si Mamadi avait bien fait que le président Alpha Condé, il n'avait même pas besoin de distribuer. Je vous ai dit, il y a quelques semaines de cela, c'est 50 milliards qu'ils ont débloqués pour pouvoir mener leur campagne de propagande. Et comme vous êtes en train de voir, tous les mouvements de soutien à travers le pays sont financés. Nous avons 33 préfectures. Imaginez le déplacement des ministres, voilà, des directeurs, les jeunes, les t-shirts. C'est plus de 50 milliards qu'ils ont débloqués tout récemment. Mais si Mamadi était intelligent, avec les 50 milliards, s'il a les 50 milliards, prenons 5 milliards, 5 milliards pour chaque, peut-être, préfecture ou sous-préfecture, aller faire des maisons de jeunes, aller faire des marchés, aller construire des écoles. C'est-à-dire, ce nombre-là, présenter ça aux Guinéens, voilà, nous sommes arrivés, voici ce qu'on a fait. Mais regardez l'état de nos écoles aujourd'hui, depuis la rentrée scolaire. Allez-y dans les écoles publiques aujourd'hui. Ça fait combien de jours? Ça fait combien de temps maintenant les gens ont repris les cours? Les écoles publiques aujourd'hui sont presque vides parce que les parents, même le prix pour acheter les tenues, n'en ont pas, à plus forte raison, inscription et acheter des livres. C'est-à-dire le CNRD, je vous jure, ils ont mis ce pays à genoux. L'avenir de la Guinée, ils ont mis ça à genoux. Parce que les gens ne montrent pas ça. Et on continue à attraper les bonnes personnes, humilier les gens. Ok, Fode Akam, je viens de te bannir. Comme tu ne veux pas suivre le live, tu ne verras jamais moi ma page. Voilà, bye bye. Donc, je demande à tout le monde de continuer à prier pour le bien du pays. Et comme je vous l'ai toujours dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est pour la vérité. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. La vérité est devant tout le monde. Hier, c'était le RPG arc-en-ciel opposé à l'UFDG. Les deux personnalités les plus aimées du pays, le président Alpha Condé et Sélou Dalé. Au fil du temps, comme on l'avait dit depuis le début du coup d'État, la vérité finira à triompher. Si le coup d'État, c'était contre le troisième mandat, si le coup d'État, c'était contre tous les mots que eux, ils nous ont dit le 5 septembre, le CNRD ne serait pas en mal avec les journalistes, les médias. Le CNRD ne serait pas aujourd'hui en mal avec le président de l'UFDG, Ella Sélou Dalé. Le CNRD ne serait pas en mal avec Sidya Touré. Le CNRD ne serait pas en mal avec le RPG. C'est pour vous dire que c'est un groupe de bandits. Et je vous dis bien le chef bandit, l'orchestre, tout le mal aujourd'hui, c'est Idi Amin. Mamadi n'est qu'un simple décor
Mamadi, aujourd'hui, vous ne voyez pas, Mamadi est retranché dans son palais. Mamadi n'est qu'un simple décor. Oui. Oui. Le problème, c'est Idi Amin. Le problème, c'est Idi Amin. Le problème, Idi Amin et Bala Samoura. Le problème, c'est les deux. Les deux gros problèmes aujourd'hui en Guinée. Si ces deux-là n'étaient pas, je ne dis pas le coup d'État, voilà. Mais la manière dont les choses se passent aujourd'hui n'allait pas se passer ainsi. Mamadi, ça je vous dis, il a peur. Hein? Mais s'il y a deux-là, Manikalu et Mouna, Kualu Nyaro Djani, c'est Idi Amin et Bala Samoura. Tout le mal. Tout le mal. Et regardez les nominations. Si c'était Mamadi seul, il allait travailler avec tout le monde. Il allait parler avec tout le monde. Voilà. Mais ces gens qui sont là, et c'est lui qui va, c'est-à-dire, prendre les pots cassés. Parce que il est là, il voit. Donc c'est lui le premier responsable aussi, Mamadi Doumbouya. Parce qu'il voit tout ce qui se passe dans le pays. Sadiba mort, il était où? Célestin Bilivogui, on vient d'enlever M. Simanga. Combien de militaires enlevés? Il est au courant. Donc c'est lui le premier responsable. Bon, je vais terminer parce que je ne peux même pas parler à cause des supporters de Bassa. Même mes petits frères viennent se moquer de moi ici. Il est, je crois il est 23h du côté de l'Europe, non? Ou bien à 5h30 nous, 22h. Mais ils viennent que de parler du Real Madrid. On dirait que j'ai un frère qui joue dans Real Madrid. On dirait que si le Real Madrid perd, moi, Damaro, je ne vais pas manger. Vous savez, Barcelone, c'est quand vous perdez, vous ne parlez pas. Maintenant, quand Real perd, moi, je ne peux plus respirer ici. On m'envoie les messages, on me dit tout. Ok, le Real a perdu. Et après, nous d'abord, il y a les élections aux États-Unis. On ne peut pas avoir deux défaites. Voilà. On ne peut pas avoir deux défaites. On est Kamala. Et on va supporter Kamala. On est là, on entend les résultats. Voilà. Ceux qui ont voté pour Trump, ici, là, chacun est libre de dire ce que... C'est pas en Afrique. Hein. Quand tu dis tu supportes elle, on vient, on tombe sur toi. Même si tu veux, tu mets devant ta maison, tu mets Trump, tu mets Kamala. Chacun est libre. Nous, en tout cas, on est Kamala. On prie Dieu, voilà, que Kamala gagne, c'est tout. Maintenant, les gens, les Trump, là, les Trumpistes, là, ça, c'est votre affaire. Yaruba, je vais vous féliciter. Bassa a joué aujourd'hui. Et Allah, vous dites qu'on a fait deux défaites. Mais la Ligue des Champions, c'est pour nous. Qui a la Ligue des Champions à l'heure là? Meilleur club, laissez-moi respirer. Je ne peux même plus respirer à cause de vous. Défaite du Real, vous venez sur moi. Maintenant, quand on gagne, vous ne venez jamais me dire, Damaro, félicitations. Non. Voilà. Il y a Magas qui a voté Trump. Bon. En tout cas, nous, Pennsylvanie, là, Pennsylvanie, on va déterminer, on va décider. Kamala a été ici hier. Donc, ici, là, Pennsylvanie encore, on va voter démocrate. Voilà. Pennsylvanie, on va voter démocrate. Ceux qui disent Trump, là, vous serez déçus. Hein? Il a dit déportation massive. Heureusement que beaucoup de Nicaraguas, ils ont eu leur papier, c'est bien. Sinon, il dit que ça sera du jamais vu. Déportation comme les Européens faisaient. Donc, nous, en tout cas, on reste et on maintient notre position. On est démocrate. On soutient Kamala. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Et ma soeur Mathilde Sarah Makale, merci à vous. Siaka Mansare, merci à vous. Moussa Balak. Hey. Alors, les gens aujourd'hui, là, je ne comprends pas. Hein. Et puis, tous les Africains, presque, ils sont Trump. Hein? Alors, félicitations à vous. Nous, en tout cas, on est Kamala. Si Kamala gagne, appelez-moi, vous allez me féliciter. Point barre. Diallo Cravate Junior, merci à vous. Merci à Dadjou Diallo, Nabi Moussa. Ici, Yagoubaba, ici, il n'y a pas de problème pour dire tu supportes qu'ici, tu veux, faut porter même
Tu vas aller t'arrêter à Times Square. Tant, tant, tant. Les Américains, eux, ils s'en foutent de ça. C'est chez nous, en Afrique, que quand tu dis tu es seul loup ou bien tu es Alpha Condé, il y a problème. Ici, là, même devant ta maison, tu mets pancarte de Trump. Ton voisin, pancarte de l'autre. Le matin, il se salue. Ça va, pas de haine. La politique aux États-Unis, c'est l'ambiance. Merci Aissatou Diallo depuis Hollande. David Bangoura, merci à vous. Nicolas Rakitic, non, c'est pas grave. Il y a des moments aussi, ça arrive. Vous oubliez que Carvajal, c'est le meilleur défenseur. Actuellement, Carvajal ne joue pas. Et Vasquez qui joue derrière. Vasquez, c'est un danger. Vasquez, c'est un trou. Vasquez, maillon faible de la défense. Vasquez ne peut pas défendre comme Carvajal. Et nous ne sommes même pas... Voilà, merci. En tout cas, Sadina Ba qui dit que Kamala... Yeah, thank you, ma sister. Ceux qui n'ont pas compris, là, ils vont voir la victoire ce soir-là. Noah Keita, David Bangoura, Suleiman Kondé, merci, Aissatou Diallo. Merci à tout le monde. Voilà, Papirumba Kanté, Sedusta, le charmeur. Bonne soirée, à demain, Inch'Allah. On est ensemble.